Bonjour, comme vous venez de le voir dans la vidéo précédente, nous allons voir comment on peut faire grimper un personnage le long d'un rocher et aussi monter le long de l'échelle, ainsi qu'au dernier moment, on va donc faire ce que l'on appelle un jump pad qui permet de faire, disons, une translation du personnage d'un point à un autre. Pour faire grimper un personnage, ce que l'on voit donc ici, on va utiliser donc dans la catégorie Blueprint le climb, c'est-à-dire grimper, monter. Ensuite, on va définir donc des paramètres donc à cet endroit dans les settings. Alors, ce qu'il faut définir en premier, c'est le volume ici qui est représenté en orange, qui est le trigger. Alors, on définit donc les valeurs du trigger à cet endroit en X, Y, Z. On effectue un premier test. Alors, on constate ici que pour pouvoir grimper, il va falloir se déplacer et ensuite appuyer sur la barre d'espace pour entrer dans la zone trigger, ce qui nous permet justement de pouvoir grimper. Alors, pour pouvoir tester donc cette variable de forcer donc le personnage à s'accroupir après donc d'avoir grimpé, j'ai rajouté donc ici un rocher. On fait un test. Et voilà, le personnage est bien accroupi. Alors maintenant, regardons l'utilisation des échelles. Alors pour trouver une échelle, vous allez toujours dans le kit à la troisième personne, dans les blueprints, et vous tapez par exemple ladder dans le système de recherche. Et ici, vous avez donc un blueprint, donc échelle, BP ladder. Donc vous prenez le blueprint et vous le positionnez dans la scène, tout simplement. Ensuite, vous devez donc faire tourner l'échelle de façon à ce que la partie verte qui se trouve ici soit côté rocher. Donc vous utilisez l'outil de rotation et vous faites une rotation, par exemple, alors comme ceci. Alors faisons déjà un test, regardons ce qui se passe. Donc là, on grimpe, voilà, je me déplace vers l'échelle. Et au moment où je suis donc vers l'échelle, vous voyez, je vais pouvoir donc grimper à l'échelle. Dans l'exemple suivant ici, vous voyez, j'ai mis donc trois échelles, les unes derrière les autres. Ceci va nous permettre de monter beaucoup plus haut. Et maintenant, pour pouvoir sortir de l'échelle, en haut de la dernière échelle, il va falloir ajuster un paramètre. Le paramètre qui va nous permettre de sortir de l'échelle donc sera ce paramètre qui se trouve ici. Alors, on fait ceci que sur la dernière échelle. Mais là, j'ai rencontré un petit problème lorsque l'on crée plusieurs échelles les unes à la suite des autres. Et j'ai résolu le problème en changeant d'autres paramètres. Alors, on va déjà faire un premier test. Et vous voyez, le personnage ne veut pas sortir. Alors je fais un jump. Et vous voyez, la deuxième fois, le personnage sort.
À mon avis, c'est un petit bug. Eh bien, pour résoudre ce problème, vous voyez ici et vous constatez qu'il y a une flèche bleue qui est dirigée donc vers le haut. En somme, cette flèche symbolise le fait que l'on peut faire un jump depuis n'importe quel moment sur l'échelle dans la direction de la flèche. Alors par exemple ici, si on regarde l'échelle du dessous, cette échelle ici, eh ben, le jump se ferait dans cette direction ici. Donc là j'ai fait une direction vers le haut, ce qui fait qu'on retombe dans l'échelle et après cela a l'air de fonctionner correctement. Alors pour changer la direction de la flèche, c'est ici, on change donc les différents angles, donc Y et Z, les angles de rotation Y et Z. Donc là j'ai mis 90 et moins 90, ce qui fait que la flèche est dirigée vers le haut. Alors ensuite ici, vous voyez, j'ai rajouté une échelle et justement j'ai mis un jump dans cette direction, ce qui permet donc au personnage de pouvoir sauter sur cette petite plateforme ici pour pouvoir prendre la dernière échelle qui elle de nouveau a un système donc qui permettra de sortir en haut de l'échelle. Alors on fait un test de tout ceci. Et maintenant, tout en haut de la montagne, on a ce qu'on appelle un jump pad qui va nous permettre de nous propulser dans l'espace 3D dans une direction bien précise. On arrive sur les arbres, dans la montagne donc, qui se trouve à côté. Alors on a vu précédemment comment on peut orienter la flèche bleue. Maintenant il faut aussi savoir qu'il faut une certaine force qui va être défini par le paramètre donc jump launcher power, la puissance donc du lanceur qui est ici de 1200. On a donc ici le launchpad. Donc c'est ce launchpad qui se trouve à cet endroit qu'on a utilisé. On aurait pu utiliser celui-ci. Donc il y en a deux modèles. Donc c'est toujours dans les blueprints. Le launchpad est assez simple à programmer, donc la flèche bleue c'est la direction où le player va partir et la force est donnée à cet endroit, power launch. Donc la direction elle est définie avec l'axe Y et l'axe Z.